Le parti qualifié ne mobilise pas et n'est pas capable de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Les preuves à cet effet abondent. Avec l'attribution de marchés gré à gré aux personnalités politiques de premier rang du parti unifié, au mépris des règles élémentaires de bonne gouvernance qui régissent l'attribution par une saine concurrence des marchés publics. Au surplus, que pouvons-nous attendre de ce gouvernement qui est incapable de réaliser les projets et programmes de développement qui s'est lui-même volontairement imposé? Que deviennent ces nombreux projets, notamment ceux relatifs à la construction attendue de 50 000 logements sociaux à loyer modéré? En réponse, l'on a assisté aux destructions de logements dans des quartiers précaires, sans que les pauvres populations déverties ne soient relogées. Certains, pour les plus chanceux, entre guillemets, ont trouvé refuge dans des endroits inédits, tels que des cimetières. L'émergence à l'horizon 2020 promise pompeusement au peuple ivoirien à travers les programmes nationaux de développement. À 2 mois et demi de 2020, il n'en parle plus.